850 millions, c'est-à-dire plus d'un humain sur sept. Alors vous vous demandez peut-être comment ils faisaient pour choisir lesquels parmi eux seraient bien nourris et lesquels seraient sous-alimentés. Il n'y avait ni concours ni tirage au sort. Cela dépendait essentiellement du lieu de naissance de chaque individu. Sur les 850 millions de mal nourris, 820 millions vivaient dans la partie. Son métier, c'est de réfléchir à l'agriculture. Elle est formelle. Il faut inventer une agriculture nouvelle, permettant de produire plus et mieux. Comment ? Eh bien, par exemple, en utilisant des produits biologiques moins agressifs pour l'environnement. En pratiquant la rotation des cultures, ce qui en laisse plus pour les autres. Comment nourrir tout le monde ? Les facteurs de l'équation sont à la fois politiques, économiques, écologiques et scientifiques. Sur leur lointaine planète, c'est collectivement que les humains devront la résoudre, cette équation. Trois tranches, 10 et 30.